Et salut à tous, c'est Redcoast, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin, parce que j'ai mis du temps à revenir. Mais je suis en fin là, donc maintenant, vos vies avant c'était de la merde, et maintenant que je suis là, bah c'est toujours de la merde, mais j'y peux rien. Mais peut-être que ça va changer, parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un truc de fou, on va voir comment devenir riche sur GTA Online. Parce que j'avais fait, il y a quelques mois, j'avais fait la vidéo comment devenir riche sur GTA mode histoire, mais là en fait j'ai découvert que le même glitch qui servait en mode histoire marchait en mode online alors que je pensais que non. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, ça sert à rien de la voir parce que ça va être pareil, il y a juste un petit détail qui change, donc si en fait ça sert de la voir. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah je vais vous dire ça tout de suite comment faire. Donc déjà il faut vous rendre à une emulation n'importe où sur la map. Franchement moi j'ai pris celle là parce que voilà, c'est la meilleure. Donc là, maintenant, on est en mode online. Vous vous mettez en mode sur un vide pour pas que des toxic players vous cassent les couilles, tu vois, comme ils font à chaque fois. Et puisque vous êtes en online, vous en profitez pour appeler Lester pour lui dire que la police ferme les yeux pour pas qu'il vienne vous choper en plein truc, parce que voilà. Donc voilà, j'ai trop de contacts en même temps, moi. Donc vous allez... Donc là, il y a un truc qui change parce que si vous faites le tour, en fait, ça va être fermé. Donc là, vous lui dites, la police ferme les yeux, donc c'est 5 000 $. Vous inquiétez pas, vous allez les rentabiliser tout de suite. Donc là, vous avez 3 minutes. Mais en soi, voilà, ça se fait rapidement. Donc là, vous allez rentrer dans l'ammunition. Donc il va falloir du shoot. Donc ceux qui savent pas tirer, donc vous savez que vous pouvez quitter cette vidéo. Donc là, vous lui tirez dans la tête. Putain, je l'ai loupé. Et là, vous vous rendez vite vers une caisse, donc là tu vois la caisse là. Et là normalement, voilà, il y a un paquet de dollars qui tombe. Donc vous voyez 79 cents j'ai récupéré. Donc vous voyez sûrement pas avec ma cam, mais voilà, j'ai récupéré 79 cents. Et là normalement un autre, ah bah c'est bon, je les ai récupérés, 53 cents. Donc là c'est de la merde, je suis d'accord avec vous, c'est de la merde. Mais attendez, donc là en mode histoire, fallait juste faire le tour à pied. Mais là vous prenez un véhicule, n'importe lequel. Moi j'ai privilégié la MK2 parce que ça va plus vite. Donc vous faites un grand tour, vraiment vous faites un tour genre comme ça. Parce que sinon après ça va être fermé si vous faites un petit tour. Donc là vous faites ça. Voilà. Et vous allez voir, ça revient au même. Avec la MK2 ça revient au même parce que ça va aussi vite. Là je pense qu'on aura même pas fini notre tour à pied là si on avait fait avec l'autre. Donc là vous revenez et normalement si tout se passe bien, c'est encore ouvert. Et ouais. Et là vous recommencez encore. Et normalement là il y a encore les billets. Donc là je me suis loupé comme d'hab. Et là ouais j'ai récupéré 55 $, je sais pas si vous avez vu, mais attends on va faire avec celle-ci. Il est là. Et on récupère 65 cents. J'ai dit 55 $, mais non c'est cents en fait, c'est équivalent de centimes en... C'est équivalent ouais de centimes. Enfin je suppose que vous êtes pas con. Et vous recommencez. Donc ça en fait c'est pour avoir de l'argent, mais c'est surtout pour les chômeurs, genre comme moi tu vois. Parce que si vous avez, si vous êtes actif, si vous avez une vie active, vous aurez pas le temps de faire ça. Mais vous voyez, regardez, vous prenez genre 30 minutes de votre vie à faire ça. Regardez, moi j'ai déjà... Ah bah non, mais vous voyez pas avec ma cam, mais j'ai déjà 12 000. J'ai déjà 12 000 en ayant fait... Oh merde, j'ai oublié, putain. Oh, je suis un fou, je suis un malade. Donc là, voilà, vous rentrez, vous faites ce que vous avez à faire. Le mec, de toute façon, il a 100 vies, donc on s'en bat les couilles, hein. Très clairement. Donc là, en plus, il laisse tomber, lui, des encas de sa poche. Donc vous pouvez récupérer non seulement ses encas et ses dollars qui viennent de sa poche. Là, vous reprenez le dollar. Et vous allez faire pareil avec l'autre caisse. Donc sur mon ancienne vidéo en mode histoire, j'avais pas fait l'autre caisse. En fait, j'avais pas cramé. Enfin, j'avais pas vu qu'il y avait une autre caisse. Du coup, j'ai fait que avec l'autre caisse, mais voilà. Donc là, et ainsi de suite. En vrai, je vais pas faire ça. Donc vous voyez, là, il reste 24 secondes pour la police ferme les yeux. Mais vous pouvez continuer même avec les flics en soi. Ils s'en foutent. Mais voilà, moi je vais pas faire ça toute la vidéo, je pense que vous avez compris le concept. Si vous avez envie de refaire, voilà, vous refaites, mais voilà, moi j'en ai fini. Bon, je vais en faire un petit dernier parce que c'est pour le kiff, quoi, tu vois. Mais voilà, je pense que vous avez compris, il faut faire ça toute la journée. Bon, j'ai pas réussi, bref, bon, j'arrête. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je sais qu'il y en a, ils vont dire ouais mais c'est de la merde comme glitch, t'as pas honte de faire ça sur YouTube. Franchement j'en ai rien à foutre. D'ailleurs l'espace commentaire il est ouvert, il est libre à tout le monde. Donc si vous avez quelque chose à dire, venez me le dire en face. Et voilà, sinon pour moi j'ai fini cette vidéo. Et voilà, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.